Assalamu alaikum, bienvenue à une nouvelle vidéo de l'arabe par le vocabulaire, de traduction de l'arabe vers le français. Donc nous sommes sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiya, apprendre l'arabe, Ta'allum al-Arabiya. Donc l'article en question que nous avons ici, c'est Fi Baghdad, Khayru Jalisin Lishabab Kitab. Fi Baghdad, Khayru Jalisin Lishabab Kitab. À Bagdad, le meilleur compagnon est un livre. Alors si on traduit littéralement, Fi Baghdad, à Bagdad, Khayru, le meilleur, Jalisin, compagnon, ça vient. On l'a aussi dans le mot, par exemple, si on veut traduire par l'anglais, quand on a babysitter, voilà, Jalis, ça veut dire celui qui est donc qui s'assoit. Jalis, donc c'est sitter. Ici, Khayru Jalis, le meilleur compagnon. Ce qui n'a pas été traduit ensuite, c'est l'ishabab. L'ishabab. Alors, l'ishabab, c'est pour les jeunes. Le meilleur compagnon, Khayru Jalisin, l'ishabab, c'est pour les jeunes. Kitab, c'est un livre. C'est un livre. Donc, le meilleur compagnon pour les jeunes à Bagdad, c'est le livre. C'est un livre. Donc le vocabulaire, donc on a ici une représentation imagée, une illustration de ce qu'on va trouver dans l'article. Donc on a une bibliothèque ambulante. Donc on verra en détail dans l'article. Donc mufradat, le vocabulaire, tuthiru l'intibeh, attirer l'attention, tuthiru l'intibeh, tuthiru c'est toujours exciter, susciter quelque chose, tuthiru l'intibeh, donc ici ça suscite quoi? L'attention, attirer l'attention. Donc je sais que en cliquant sur certains mots, on a parfois un synonyme en arabe, donc ici c'est pas le cas. Ensuite on a yatahallaqu, yatahallaqu, si on clique dessus, on a يتجمع se rassembler. يتجمع se rassembler. Ensuite, on a يتفحص examiner. Si on clique dessus, non, il n'y a pas de synonyme. يتفحص donc de fahs l'examen. يتفحص examiner. مكتبة donc pour مكتبة je pense pas qu'il y ait de synonyme. مكتبة c'est la bibliothèque. مكتبة donc on voit la racine كتب écrire. Kiteb, le livre, Maktaba, l'endroit. Toujours quand on a enfin, pas toujours, mais souvent, quand on a le mais ici, ça veut dire que il est question de l'endroit. Mais. Donc, Maktaba, l'endroit où il y a des livres. Voilà. Maktaba, donc, l'endroit où il y a des livres. En bon français, c'est la bibliothèque. Maktaba, la bibliothèque. Ghayru masbouq, sans précédent. Ghayru masbouq, sans précédent, synonyme. Lemathilaleh, qui signifie pas de pareil, sans pareil. Quelque chose qui est sans pareil. On n'a jamais vu ça. Il n'y a pas incomparable. Ghayru masbouq, ici c'est sans précédent. Ghayru masbouq. Masbouq, donc il n'a pas de précédent, quelque chose qui l'a précédé. Hafawa, hafawa. Accueil chaleureux, hafawa, ou bien tarhib, ou bien tarhib, hafawa, ou bien tarhib, c'est accueil chaleureux, tarhib, l'accueil, hafawa, accueil chaleureux, foudoul, la curiosité, foudoul, la curiosité, pas de synonyme, yenhemiku, yenhemiku, s'affairer, yenhemiku, s'affairer, ma'alouf, ma'alouf, familier, commun, familier, ma'alouf. Et lefit, lefit intéressant, lefit intéressant qui vaut le détour, lefit qui fait tourner la tête, lefit intéressant. Donc ensuite on a le résumé. Des scènes disparues depuis si longtemps commencent à réapparaître. Des jeunes s'intéressent à la lecture et aux livres, en achètent et en débattent en public. Voilà, donc le texte, on y va. من بين مئات آلاف السيارات التي تغص
بها شوارع بغداد. Alors, من بين مئات آلاف السيارات. Alors, parmi, من بين, parmi, من بين, parmi, مئات آلاف, مئات آلاف, des centaines de milliers, مئات آلاف, des centaines de milliers de quoi? De voitures, سيارات, de voitures, التي تغسو, qui remplissent, التي تغسو, biha. Donc, ici on a les voitures, شوارع بغداد. Alors, شوارع, on va traduire plutôt en partant de là, شوارع بغداد, donc les rues de Bagdad, تغسو بها, se remplissent avec quoi? Avec les voitures, biha, de ces voitures-là. Alors, parmi les centaines de milliers de voitures, سيارات, التي, qui remplissent, on va traduire comme ça en français, qui remplissent les rues de Bagdad, ثمتا, ثمتا, alors ثمتا, ça veut dire, si on le traduit littéralement, ça veut dire là, là, l'endroit, L avec A, accent grave. Donc ثمتا, mais nous on va le traduire ici, ثمتا سيارة. Donc ثمتا سيارة مختلفة تثير الانتباه. Alors ثمتا, il existe, ou il y a ثمتا, il y a, donc parmi toutes ces voitures, il y a سيارة, il y a une voiture, سيارة مختلفة, donc ici complètement différente, différente. Donc مختلفة, c'est l'adjectif qui veut dire différente. مختلفة تثير الانتباه, qui attire l'attention, تثير الانتباه. وحين تتوقف يتحلق حولها المارة. Donc, et pendant, وحين, et pendant, تتوقف, qu'elle s'arrête, وحين تتوقف, et pendant qu'elle s'arrête, يتحلق حولها المارة. يتحلق, ça veut dire, يتحلق حولها, ça veut dire, il l'encercle. Qui c'est qui l'encercle? Hawlaha, donc c'est autour, autour d'elle, autour de cette voiture. Seyyaratu, seyyaratun. Qui c'est qui l'encercle, donc qui forme un cercle autour d'elle, qui se rassemble autour d'elle? C'est al-marratu. Al-marratu, ce sont les passants. Liyatafahasu, liyatafahasu, afin d'examiner, afin d'examiner, liyatafahasu, العناوين التي تحملها هذه السيارة المكتبة. Alors, ليتفحصوا, pour examiner, afin d'examiner, العناوين, les titres, donc العنوان, c'est le singulier, العناوين, le pluriel, donc c'est les titres de livres, bien sûr, العناوين التي تحملها, que porte, qui. Eh ben, on, ici on a déjà ha qui nous renvoie à la voiture, terminu ha, mais en plus le sujet encore reprécisé une fois de plus pour bien nous dire de quoi on parle et donner une information supplémentaire. Hadhihi as-siyaratu al-maktaba. Donc on nous rappelle que c'est une voiture, mais là on ajoute al-maktaba, cette voiture bibliothèque. On avait en France, je sais, le bibliobus, je sais pas, peut-être après ça dépend des villes. Mais ici, voilà, on nous dit la voiture bibliothèque. بدأت القصة حين قرر علي الموساوي. Alors, بدأت القصة, l'histoire a commencé. القصة, c'est l'histoire. القصة, c'est l'histoire. بدأت, a commencé. Quand, حين, قرر, il a décidé. علي موساوي, علي الموساوي, الموساوي. Donc, quand Ali Moussaoui, on va traduire en bon français, l'histoire a commencé quand Ali El Moussaoui a décidé, qarrara. Donc, après Ali El Moussaoui, on nous donne ici son âge. 25 ans. 25 ans. Donc,
25 ans. Il a 25 ans, il est jeune. Qabla amein. Donc il a décidé quand? Qarrara qabla amein. Voilà, ici on va dire en français par exemple il y a 2 ans. En arabe, le il y a va se traduire par qabla, avant. Avant 2 ans. Bien sûr, ça ne fait pas français. Si on dit qabla 2 ans, avant 2 ans, ça ne sonne pas français. Mais en arabe, on utilise qabla pour dire il y a 2 ans. Voilà. Qabla amein. En yuhawila سيارته يحول سيارته إلى مكتبة متنقلة. Donc il a décidé قبل عامين, il y a 2 ans. Donc قرر, il a décidé il y a 2 ans. Il a décidé quoi? De changer, أن يحول, de transformer même, de transformer يحول sa voiture, سيارته, ses voitures, هو, la sienne, سيارته, إلى مكتبة متنقلة. إلى مكتبة متنقلة. En une bibliothèque, مكتبة. Donc on voit bien ici, يحول, يحول, parce qu'il y en a N avant, يحول, سيارته. Donc sa voiture, on a avec le verbe, يحول, إلى. يحول إلى, la préposition. Donc il l'a transformé en quoi? En une bibliothèque متنقلة ambulante. Donc متنقلة qui se déplace. متنقلة. وذلك في تجربة غير مسبوقة. Et cela à travers. Fille, on va le traduire par à travers ici, à travers une expérience, tajribatin, une expérience, ghayri masbouqatin, sans précédent. Voilà. À travers donc une expérience, une expérimentation, une expérience, on va dire, sans précédent. Ghayri masbouqatin. Fil Irak, en Irak. Fil Irak. Lakinnaha wajadat hafawatan. وترحيبا كبيرين. Donc elle a intéressant là, لكنها, mais elle, ici on a le elle, mais on va traduire en français juste, oui on peut traduire mais elle, لكنها وجدت, mais elle a trouvé, elle a rencontré, on va dire ici, elle a rencontré un accueil chaleureux, حفاوة. Donc en arabe, on voit bien que c'est féminin, hafawatan. Et là, on a watarhiban. Et on a un accueil. Donc un accueil chaleureux et un accueil, répétition, ce sont des synonymes en fait. Kabirain. Kabirain. Et ici, on voit que on a accordé l'article avec au masculin, kabirain. Non pas kabiratain. Voilà, on l'a accordé avec le dernier. Pourtant, ici, c'est duel. Mais on l'a accordé au masculin, puisque le dernier est au masculin. Si on a fait tarhiban wa hafawatan kabiratayn. Donc, je pense que si celui-là avait été ici, on l'aurait accordé avec le dernier. À vérifier. Wa tarhiban kabirayn. Kama yaqulu. Comme il le dit lui-même. Donc, kama yaqulu. Comme il le dit, donc, qui? C'était Ali. El Moussaoui. Donc, elle a accueilli ça a été bien accueilli, cette idée. ويثير مندر هذه السيارة فضول المرة. Donc, ويثير مندر هذه السيارة فضول المرة. Donc, et يثير, donc on a suscite ici, puis après on a le sujet. En arabe, donc, on commence les phrases le plus souvent avec un verbe, puis après on a le sujet. Mandaru hadihi siyara. Donc l'apparence. Mandaru hadihi siyara, de cette voiture. Hadihi siyara. L'apparence de cette voiture. Donc mandaru de cette voiture. Hadihi siyara. Fudula, la curiosité. Donc suscite quoi? La curiosité.
ici on a le sujet. Donc l'apparence de sa voiture suscite la curiosité des passants. Al-marra. Al-marra. Wa rubbama yastawqifunaha. Wa rubbama yastawqifunaha liyashtaru minha aw yattali'u 'ala ma tahmiluhu min kutubi mutanawwi'a. Et ils peuvent, donc c'est probabilité, soit ça, soit ça. وَرُبَّمَا يَسْتَوْقِفُونَهَا, donc ils peuvent soit l'arrêter, donc arrêter quoi, la voiture ambulante, la voiture bibliothèque ambulante, يَسْتَوْقِفُونَهَا لِيَشْتَرُوا, pour acheter, لِيَشْتَرُوا, donc c'est pas لِيَشْتَرُونَ, c'est لِيَشْتَرُوا, pourquoi? Parce qu'on a li. Donc li, ça nous change la fin du verbe. On ne dit pas li yashtaruna, li yashtaru minha, pour en acheter, pour acheter de la bibliothèque. Li yashtaru minha. Ou bien yattali'u ala ma tahmiluhu. Ou bien pour voir, pour examiner encore une fois, pour jeter un coup d'œil. Yattali'u ala ma tahmiluhu, pour voir ce qu'elle contient. Pour voir ce qu'elle contient. Min kutubi mutanawwi'a. Ce qu'elle contient de livres. Kutubi. Kutub, c'est le pluriel de kitab. Kutub, le pluriel de kitab. Mutanawwi'a. Varié. De livres variés. De variété de livres. On peut dire aussi. Wabaynama. Yenhamiku shaba. شباب عشرينيون في تفحص عناوين الكتب. Alors, وبينما, et pendant que, وبينما, et pendant que, ينهمك شباب عشرينيون, ينهمك s'affaire, donc qui va qu'à ses affaires, hein, s'affairer, s'exciter, se ينهمك Shababun, des jeunes de la vingtaine, Aishriniyun, de la vingtaine, Fi Tefahusi, dans l'examen, il s'affaire à examiner, Fi Tefahusi, ici donc en arabe dans l'examen, on va dire à examiner, Anawin al-Kutub, donc le titre ou les titres des livres, ici Anawin, titre, Anwen, le singulier, Anawin. Au pluriel, les titres des livres, le kutub. Yajlisu al-Musawi ala kursiyin saririn bijanibi siyaratihi liyatalaqa al-as'ilati al-as'ilata min alladhina tajamma'u hawlahu. Donc, on a traduit ça, on en est là. Yajlisu, il s'assoit, qui s'assoit? El Moussaoui, donc le propriétaire du véhicule, de la bibliothèque. Ala Kursiyin, il s'assoit sur quoi? Sur une chaise. Ala, pour dire sur. Ala Kursiyin, sur une chaise. Saririn, bijanibi siyaratihi, à côté de sa voiture. Liyatalaqa, pour recevoir. Al-as'ilata, des questions. Pour recevoir des questions, min al-ladina, de la part de ceux, tajamma'u hawlahu, qui se sont rassemblés autour de lui. Ensuite, wa lam yakun ma'lufan hatta waqtin qaribin mushahadatu shubbanin yafi'in. On va traduire ça déjà. Wa lam yakun ma'lufan. Ma'lufan. ولم يكن مألوفا حتى وقت قريب. Et ce n'est pas quelque chose de familier. Ça n'a pas été quelque chose de familier jusqu'à présent. حتى وقت قريب, jusqu'à récemment. حتى, jusqu'à وقت قريب, récemment. وقت, c'est un temps. قريب, c'est proche. مشاهدة, donc c'est la vision. On va dire devoir,
ce n'est pas quelque chose de commun jusqu'à récemment, ce n'a pas été quelque chose de commun jusqu'à récemment de voir, mushahadatu, de voir des jeunes, yafi'ina, on va traduire tout ça par, c'est la même idée, shubben, et yafi'in, c'est la même idée des jeunes, des ados, donc des petits jeunes, on va dire, shubben, tout ça, ça se traduit par shubbenin, yafi'in, des petits jeunes, de voir des petits jeunes, yahmiluna, bayna aydihim, yahmiluna bayna aydihim, kutuban, yaqra'unaha, ou yatabadaluna al-ara bisha'niha fi al-amakin al-ammati. Lakinaha tahawwalat ila amrin lafitin mu'akharan. Donc, ça n'a pas été commun jusqu'à récemment de voir mushahadatu shubban yafi'in, des petits jeunes, yahmiluna bayna aydihim, en train de porter, yahmiluna, c'est porter, bayna aydihim, dans leurs mains, hein, on va dire sous le bras, ou même dans leurs mains, oui, on peut très bien traduire comme ça, yahmiluna bayna aydihim, porter dans les mains, kutuben, des livres, yaqra'unaha, kutuben, donc des livres, qu'ils lisent, yaqra'unaha, qu'ils lisent, ou yatabadaluna al-ara'a bisha'niha, ou bien autour desquels yatabadaluna, ils échangent l'ara, leur point de vue, leurs opinions, bisha'niha, donc autour desquels, bisha'niha, ou les concernant, voilà, bisha'niha, à leur sujet, yatabadaluna l'ara, ils échangent des opinions, bisha'niha, donc autour des à propos des livres en question. Fil amakinil am, dans les lieux publics. Donc maken, un lieu, le amakini, les lieux, l'am, public. Le amakinil am, les lieux publics. Lakinaha, mais, lakinaha, donc cette situation, lakinaha tahawwalat ila amrin lafitid muakharan. Mais ceci, tahawwalat, est devenu, tahawwalat ila amrin lafitin, s'est transformé, la tahawwalat s'est transformé en une chose intéressante, muakharan, dernièrement. Voilà, je pense qu'on s'est assez attardé sur ce texte, donc je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez revoir certains mots et tout, je vous conseille de repasser la vidéo. Et moi, je vais vous dire bien à une prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel article. Donc, je vous dis à bientôt, Inch'Allah.